Blanc, c'est meilleur, c'est meilleur. Ah, le blanc, c'est le Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un prank à notre pote. Donc c'est son anniversaire il y a quelques jours. Et du coup voilà, on a décidé de faire un petit prank, donc on va y avoir plein de petits pranks liés. Donc du coup voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la bombarder de likes, à vous abonner, à la commenter, ça ferait super plaisir. Et c'est parti. Donc là les gars, actuellement je suis à Orléans et donc du coup je suis dans un Airbnb avec plusieurs invités, dont le premier, Antoise. Bonjour. Et du coup il y a plein d'autres invités, donc attendez, on va faire le tour vite fait. Où est-ce qu'ils sont? On est aussi avec Lola. Salut. Et il y a deux autres aussi, deux autres zigotos qui sont là. Attendez, j'aime la lumière. Yo les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Yes. Tom et David. Salut, salut. Donc les gars, aujourd'hui du coup on fait une vidéo prank, c'est ça? Ouais, alors voilà. Donc attendez, venez, venez, on s'assied et on fait une liste. Donc il y aura quoi comme prank en gros? Alors Maxence déjà va prendre cher. Ça, je tiens à vous le dire. Ah, voilà. Ouais, donc Maxence, c'est notre pote qu'on va prendre. Ouais, exactement. Yes. Donc la liste, qu'est-ce que c'est, Pierre? Eh ben premier prank déjà. Les ballons. Les ballons. Voilà. Oui, donc bon, on va mettre des ballons plein sa chambre. Donc là, ouais, on est actuellement dans sa chambre, il le sait pas. C'est ça. Deuxième prank. On va l'attacher au lit. Voilà. Avec du scotch. Ouais, quand il va dormir. Oh là là. On va l'attacher au lit. Voilà. Troisième prank, on va faire des Oreos fourrés au dentifrice. Ouais, exactement. Ah, il va morfler. Hein. Et le quatrième, le truc avec le chat, c'est quoi, vas-y, David? On a acheté de la pâté de chat et on va lui mettre dans des toasts pour qu'il les mange. Ça va être très très bon. Voilà, exactement. On a acheté des pétards aussi. Ah putain, oui, des pétards. Ouais, regardez. Et on va aussi lui faire bouffer des saucisses quand il dort. Genre lui fourrer la bouche. Comme ça, genre un peu comme ça. Voilà, du coup, on a pas mal de préparations à faire parce qu'il arrive dans combien de temps? Une heure et demie, c'est ça? Dans une bonne heure en fait. Une bonne heure. Du coup, on a plein de préparatifs. On va commencer par. Donc Lola commence à gonfler les ballons là, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que c'est dur? Ah ouais. Du souffle. Faut du souffle. Vous avez déjà gonflé deux là? Deux. Ok, bah c'est bien, on les met là. Ok, regardez les gars. Premier ballon. Wow. Eh hey, les gars, faut que tu refasses le lit, David. Ouais, t'inquiète. Ça c'est la mascotte. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cindy. Pourquoi Cindy? Voilà, donc je sais pas si ce genre de vidéo prank vous plaît, mais si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça serait super cool. Et donc là, on va gonfler des ballons et c'est parti. Transition ballon. Ah, pas mal. Oula, Covid. Il peut gonfler un ballon, regarde. Je suis sûr qu'il peut gonfler. Regarde. Oh! Mais tu veux vraiment voler, regardez. Moi aussi, je vais mettre une paire de lunettes. Non, mais là, qu'est-ce qu'on fait pas là? Eh hey, les gars! On dirait Madiba, il a dit. Le gars, il est célibataire, il recherche une femme. Bon les gars, aussi du coup, deuxième prank, David va préparer les Oreos, comment on dit, les Oreos piégés. Ouais, vas-y. Alors, ce qu'on va faire, on va tourner sans le casser. Pour racler après. Bon, là tu vois, c'est pas grave, on l'a cassé. Donc attends, le premier c'est raté. On va plus manger d'Oreos. Antoine il sait mieux le faire, Vas-y, montre-moi. Voilà, comment faut faire? Regardez les gars, cette vidéo c'est n'importe quoi, regardez-moi cette dégaine. Voilà. Du coup on va terminer tout ça et on vous reprend juste après. Mais David, en vrai, attends, essaie juste de faire un Oreo. Ouais, pour le montrer. Pour le montrer, ouais. Okay. Fais un Oreo. Un Oreo. Oh, il est bien. Pas mal. Vas-y, attends. Vas-y, David, montre-moi tout ça. On fait, on prend, on fait attention que l'Oreo il se casse pas et... Ah. Attends, je peux essayer? Ok, du coup, c'est comme dans la pub. Tu prends comme ça, tu tournes. Et après, une fois que t'as tourné, regarde. Ah ouais, tu arrives bien, toi. T'as vu, c'est dur. Putain, c'est cassé encore. Je vais les faire si tu veux après. En vrai, c'est pas grave s'il reste un peu de crème. Hein. Ouais, c'est pas grave. Mais justement, viens, on laisse un peu de crème. Quitte comme à... ça, il se doute de rien. Fais attention, mec, il va se casser. Hein. Je le sens aussi, gros. Top, y'a assez, c'est bon, tu trouves ça. Ah, voilà, c'était sûr. Bon, vas-y, Antoine, il va le faire. Tu vas Antoine, faire vas-y, fais les Oreos. Qui mange le blanc, c'est meilleur. Ah, le blanc, c'est meilleur. Regarde. Ah. Alors Tom, on en est où la débâcle? Bah là on en est quand on gonfle, regardez, pas mal. Là c'est incroyable ce qui se passe là. Là ça commence à... Non mais il arrête pas de nous jeter des trucs tout à l'heure. Et d'ailleurs t'as montré du coup ça? Non, j'ai pas montré encore. Donc les mecs, quand il va dormir, ou alors même quand on va l'accueillir avec des serpentis, enfin des... Ok, t'es mort. Arrête. Ok.
On va l'accueillir avec des spaghettis, c'est des petits trucs en mousse comme ça là qui sont. Ah, ouais, chaud. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration, je vais pas dire ça. Voilà. Casse-toi, Allez-toi. Mais derrière, mais t'es tout sec. Arrête, on va monter la table là-bas. Alors. Il y a la table. Je l'ai pas encore vu la table, hein. Je l'ai pas encore vu. Quelle table? Il y a quoi sur la table? Ok. Oh, okay. Oh là là. Oh. On en fait tout un plat alors qu'en vrai y'a pas grand chose. Du coup, regardez, on a des chamallows. Vas-y, vas-y, Antoine, tu prends les Oreos. Je vais prendre mon dentifrice. Alors, du coup, regardez. Donc là, ils ont bien niqué les Oreos parce qu'il y avait un paquet entier. Il en reste que 4, donc va pas falloir se foirer. En gros, le but c'est de faire une assiette d'Oreos et il y en a qui seront piégés du coup. Donc on va en piéger, on va dire 2. Donc regardez, ça c'est les vieux trucs qu'ils ont pas réussi à faire. Normalement, j'ai déjà fait le truc, du coup ça devrait le faire. Donc il nous faut ça. En fait, ah oui, j'ai une idée. Ah, celui-là il se casse, ce trou du cul. Là, je suis en train d'enlever la pâte. On a un petit peu d'anticrise du coup. Mais ça va pas paraître bizarre de mettre des Oreos et dans de la bouffe sucrée, salée? Ben non, regarde. Et là, regarde. Là, normalement, ça le fait. Oh, putain! Regardez le génie. Ok, regardez, Tom. Attends, un peu trop mis là, non? Non, regarde. Oh putain! Non. Si, si. Non, si, non, si. Non, si, non. Si. Non. Voilà. C'est énorme en vrai. Ah non, il est. Vous avez expliqué cela. Oh non! Mais là, ça, on peut pas les mettre, ils sont apaisés. Mais déjà, gros, quand il va voir qu'il y en a un qui est piégé, il va pas en bouffer d'autres. Hein. Quand il va voir qu'il y a 3 Oreos sur l'assiette. Donc regardez, je vous montre. Là, on a une petite assiette d'Oreo. Donc on pose ça là. Ok, alors Antoine, du coup là, on a les vrais toasts, c'est ça? Donc voilà, rillettes de thon, rillettes de saumon. Ok. Et là, on va passer au toast piégé du coup pour Maxence. Donc regardez ce qu'on va mettre, de la terrine adulte pour chat, riche en saumon. Riche à saumon. Du coup c'est parti, regardez. Ah, alors, ça sent bon. Ça sent la terrine au rhum. Ah, ça sent bon. Comment ça sent, un truc des hommes, genre. Ouais, ça sent le pâté pour. Oui, ça sent le pâté, mais il y a un petit fond de poisson quand même. Okay. Donc regardez, c'est parti. Vous avez les couilles de goûter ou pas? Je dispose. Lola, quand t'as combien tu goûtes maintenant? Quand t'as combien tu goûtes? Bah, je goûte si tu veux, je m'en. Ah. Attends. Non. C'est bon, wesh. Non. Je suis sûr que c'est bon. Tu trolles. Mais goûte. La vie de ma mère, tiens, genre. Ok, tu goûtes, t'es obligé. Ah. Allez. Eh, vas-y, viens, on goûte ensemble, Antoine. Déjà, toi, tu goûtes. Viens, on goûte ensemble en même temps. En même temps. Alors, Lola, tu nous filmes. Ça se trouve, on va rien lui dire, il va bouffer comme ça, il va bien aimer. Mais y'a pas de prank en fait. Je te jure, il est pas mauvais. T'as goûté? Non, j'ai pas goûté. Vas-y, viens, on goûte, tu le prends. C'est beau, là, on dirait des boyaux. Moi, j'ai goûté, je te jure, c'est pas mauvais. Regarde. Non, mais il va y avoir des boyaux. Ah. Ça, c'est des fake toasts. Mais goûtez, arrêtez de faire les tapettes là. T'en mets trop. Mais non, regarde, je les charge quand même tout à l'heure. Ça sent fort quand même. Hein. Bon, Antoine, on est comment là, niveau préparatif là? Ça va, on est bien. On est pas trop mal. Il arrive dans 10 minutes. 10 minutes. Les gars, il arrive dans 10 minutes et on a quasiment tout préparé. Il reste plus que ça à gonfler en ballon. Regardez la pièce, elle est vraiment remplie de ballons. Donc là, je crois qu'il y en a genre plus de 200. Hein. Il y en a même sur le lit, il y en a de l'autre côté du lit, il y en a partout. J'arrive même pas à m'en sortir. Tous les toasts sont faits, tout est prêt. Les gars, je vous refais un plan quand Maxence est là. Ça va être incroyable. Il approche. Et ça fait vite d'un c'est les 3 seuls mots que tu connais. A few moments later. Vas-y, je te laisse monter, je vais fermer la porte. Vas-y, il y a pas de bruit là. Ils sont partis. Oui, bien sûr, ils sont allés faire une balade. Oh le pauvre, en vrai je serais mal à sa place. Non, ça va. Mais regarde le mur, ça pend là. Alors tu as trouvé comment ça t'accueille? J'en avais jamais eu des comme ça, tu vois, et c'est vraiment bien. Vas-y, viens en visite là. Viens. J'ai une chambre. Vas-y, pose ça là. Vas-y, monte. Là c'est notre chambre avec le lave, viens voir. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. On est vraiment obligé de se venir comme ça, tu vois. Le plafond est un peu bas. Qu'est-ce que t'en penses, Maxence? Pas mal. C'est la meilleure chambre, non? C'est vraiment la meilleure chambre. Il a pas vu les autres, ça tombe bien. Donc ça, c'est ma chambre et celle de... Qu'est-ce que t'en penses, Maxence? Pas mal.
Non, elle est très belle quand même. Et ta chambre, on te laisse l'ouvrir? Ta chambre. Ok, ma chambre, ça se trouve c'est une cave. Allume le mien à gauche. Oh là 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 là. Bravo, bravo, bravo. Oh là 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 là. Alors franchement, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Vite. Ouais, je regarde le bout là aussi, il pend là. Non, 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 non. Toi, t'as comment je le fais? Ouais, je... Regarde. Ouh. Ça va jamais quand ça claque comme ça. Bon, nous allons manger nos petits toasts et tout ça. Moi je vais prendre une frange et saucisson. C'est un bol. Oh oh. Eh, hey, du calme, du calme. Moi je suis un peu au régime, j'ai envie de dire. Non, moi je veux pas, je mange pas. Mmh. Ça va, ça va. Moi je prends que ceux de saumon hein, par contre. Cry Dapsa Story, cry aïe aïe, BG, BG. Elle est bonne ou pas? C'est bon? C'était du porc! C'est quoi? C'est du porc! Arrêtez, non, non! C'est quoi? C'est du sang? C'est quoi? Non, on laisse deviner! On laisse deviner! On laisse deviner! Non, non! Mange bien, non, vas-y, y'a rien! T'as choisi la mauvaise assiette, mon ami! C'est pas mauvais! En vrai, c'est pas mauvais, c'est toujours il a juste malade! On a goûté, c'est pas mauvais! T'as vu en plus tout à l'heure j'ai dit imagine il en mange et il en reprend parce qu'il aime bien. C'est quoi ton avis Maxon? C'est grave bon. Quoi? Non, en vrai mais moi. Mais moi je t'en ai dit tout à l'heure c'était bon. Parce qu'en fait c'est quoi, j'ai vu taper son meilleur croc. Il a rien dit genre en mode non, oh, c'est pas trop mal. Il était là. Ouais. Il continue à en manger. Tu es de la gueule. Attends, il a touché. En fait, ça. Ok les gars, on va faire le gâteau de Maxence du coup là. On va refaire un petit pain pour le gâteau. On va faire un gâteau trop moche. Et après on lui emmènera le vrai gâteau. On va préparer deux gâteaux. Un gâteau pourri et un bon gâteau, c'est celui-là le bon gâteau. Bon bah moi en attendant, la chaîne c'est une chaîne de bouffe hein. Tu mets par-dessus, tu fais couler. On dirait maman. Ah oui. On dirait maman en plus. Et là c'est réaliste. Là c'est un truc bien on dirait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Maxence. Attends, attends, en vrai de vrai, avec toutes les farces que vous m'avez faites tout à l'heure, c'est peut-être... Mais c'est une bougie magique. Ça se trouve, c'est soja à faire. Je suis sûr, il y a une dinguerie, allez. Mais je vais quand même goûter. Ok, je mange avec toi si tu me crois pas, je mange avec toi. Sauce. Attends, je mange avec toi. Confiture, sirop d'érable. Mais c'est quoi? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Attends, Amélia, c'est pour Amélia. Ça te plaît ou pas? On a oublié. Attends, Amélia, un truc. Attends. Voilà. Là, on va manger le gâteau. Ouais, c'est et ça. Après, et après, donc, on va faire la soirée tranquille. Voilà. Et ensuite, on demande d'aller dormir. Pendant la nuit, on va lui faire des dingueries, les gars. On va le scotcher au lit et tout. Vraiment des dingueries de ouf. Du coup, restez bien sur la vidéo, restez bien. Ouais, gars. Vraiment. Restez jusqu'à la ça fin va parce être que ça va être excellent. Du coup, on vous reprend tout à l'heure quand c'est l'heure de dormir. Et puis voilà. Franchement, ça va être un truc de ouf. Ça va être dingue. Restez vraiment jusqu'à la fin, c'est un truc de ouf. Exactement. Là, les gars, on va faire un prank. On va remplir
On est dans sa voiture, du coup, on va mettre des post-it partout. Ok, donc attendez, je vous donne. Okay. Et merci bien, mon copain. Apparemment, faut vraiment faire un truc, genre aligné. Vas-y. Comme avec ton daron. Vas-y. Putain, ça colle pas, les gars. Ça colle pas parce que la vitre est humide. Mais non, mais gros, ça colle pas. Putain, les gars, il est 4h du matin, on est en train de faire ça, wesh. Je vous reprends quand on est prêt. Donc là, Maxence est parti dormir, les gars, c'est ouf. Genre, on est parti en soum-soum, vraiment. Ça tient pas, la putain de sa mère. Bon, je vais essayer, les gars, je vais faire de mon mieux et je vous reprends tout juste après. Ok, les gars, on va sortir. Regardez, les vitres sont faites. Tom, ouvre-moi. Genre on a mis devant sur le pare-brise et tout. Là partout. Oh les gars, il va péter un pont, wesh. Il va péter un pont. Premier prank réussi, les gars. Il est presque 5h du matin. On va lui mettre des knackis dans la bouche. Et en fait, quand on va ouvrir sa porte, est-ce qu'il va se réveiller? Non, en vrai, gros. On est venu te voir tranquillement. Eh, je conduis demain. Non, attends, on est venu te voir tranquillement. Genre, sans prise de tête. On voulait venir. On voulait s'excuser. Voilà, on voulait prendre ça, regarde. On voulait te donner ça. Non, ça, ma soeur, tiens. Je te laisse. C'est la saucisse, gros. Non, oui, mais tiens. Mais c'est parce que tu m'as dit que t'avais pas de sextoys. Donc, je me suis dit, t'es tombé. Tu la mettre ou je sais pas. On voulait vraiment te la donner. Je veux que j'accouche, toi. Tu vois, vous avez une deuxième couette. Non, attends, j'ai vraiment une deuxième couette à donner. Ça va, on va vraiment donner une deuxième couette à donner. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Allez, dormir. Laisse dormir. Oh. Il arrive pas à se démêler du scotch. Ça fait rire. On laisse allumer la télé. Ah. Bon, David, viens, ah, t'es à poil. Non, je vais en caleçon, mec. Vas-y, viens, on fait le débrief. Du coup, là, on a été faire le petit prank à Maxence. Il l'a bien pris. C'était vachement drôle. C'était très très drôle. Et du coup, je le dis tout bas, mais on se retrouve demain matin quand il va se rendre compte de sa voiture pleine de post-it. Je vous dis à demain. Et bonne nuit. Allez, salut. Bon alors les gars, on vient de se lever, on s'est préparé et tout, et du coup là, on va aller voir le résultat de la voiture. Donc j'espère que la réaction de Maxence va être drôle. Ça va Maxence? T'es en train de fumer là? Oui. Salut à tous les internautes. Allez Maxence, viens voir la voiture. Je viens de voir de loin wesh. T'as vu quoi de loin? Depuis 5 ans. Ah ça c'est... Un magicien ne dévoile jamais ses tours de magie. Ouais. Oh la dinguerie. Regarde à l'intérieur ta voiture. Oh putain, vous m'avez acheté une Lamborghini! Waouh! Regarde l'intérieur de ta voiture, regarde! Bon les gars, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà, c'est la fin du séjour. Du coup, bah moi je vais y aller, je vous dis au revoir à tous. Salut Pierre, c'était un plaisir. Salut gros, c'était cool. Salut. Bon retour. Merci mec, toi aussi. Salut, à la prochaine. Et mettez un maximum de pouces bleus, les gars. Et salut!